Alors, Yoann Tessier, directeur adjoint du Festival Confrontation Photo. Le Festival des Confrontations est l'association de deux associations, qui est Gex Photo Club et le collectif Confrontation. L'adhésion à l'un engage l'adhésion sur l'autre. Ceci nous permet d'avoir une belle équipe pour pouvoir créer ce festival. Le festival, c'est un biennal, donc tous les deux ans depuis 2011, et c'est la quatrième édition. Cette année, on reçoit Samit Weiss en invité d'honneur. Elle est là, d'ailleurs. Elle est présente sur le salon. Et puis, elle est entourée de quatre filles qui, pour nous, représentent la photo de jeunes femmes autour de Samit Weiss. Je m'appelle Marie Magnin. Je suis là pour présenter un travail que j'ai fait sur le quotidien des migrants à Paris et à Calais. Et je peux vous montrer cette photo, par exemple. Cette famille vient d'Irak, ils viennent de Mossoul et ils ont passé tout un hiver dans la jungle, dans le bidonville de Calais. Eux, ce sont des triplés, les petits, ils n'ont même pas 2 ans. Et aujourd'hui, ils ont réussi à passer en Angleterre. Donc, ils habitent à Manchester avec leurs parents. Voilà, ils sont a priori sortis de la galère. La galère. Enfin, de la grosse galère, je ne sais pas après. Très bien, donc vous serez là pour toute l'exposition. Bien sûr, je suis là jusqu'à dimanche soir. Et on peut vous rencontrer sans problème. Tout à fait, on peut m'en rencontrer, on peut échanger. Avoir les explications nécessaires. Ouais, moi j'aime bien partager en fait ce que je fais. Et puis je trouve ça super là, de partager avec des enfants, c'est génial parce qu'ils ont une vraie curiosité. Et je les trouve super intéressés et super intéressants. Ils ont une manière de voir les choses qui est très chouette. Et bonjour, moi je suis Julie Poncet. Donc je fais en photo, je fais surtout de la mise en scène. J'aime bien raconter des histoires. Et là, l'idée à travers cette série, c'était d'emballer tout un décor dans du tissu et de raconter le parcours d'une femme un peu obsédée par son environnement, qui se retrouve un jour perturbée par la couleur rouge qui vient envahir son environnement et qui finit de manière assez tragique par la disparition de ce personnage dans son environnement. Voilà, donc j'ai fait une installation un peu ludique où en fait on a à chaque fois des diptyques, une photo prise de face et la même photo vue de dessus, et où en fait j'invite le spectateur à se mettre à la place du photographe en fait et à regarder la photo même en prise de vue réelle en fait.